Et donc salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la seconde vidéo de la seconde vidéo test des Sims 3 Showtime, donc la nouvelle extension en date, toujours éditée par Electronic Arts et développée par Maxis. C'est une extension qui consacre son contenu et son gameplay au monde du spectacle et tout ce qui s'en rapproche. Alors non, je vais pas continuer sur cette voie. Tout d'abord, je souhaite dire merci à YouTube, puisque mais les personnes qui auraient aimé voir la vidéo hier, ils l'ont là où je pense, sincèrement. Parce que, en fait, YouTube a bloqué la vidéo parce qu'il y avait des contenus musicaux dessus. Alors, au départ, c'était censé, je devais être censé parler 2-3 minutes pour faire un petit topo. Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade. Je devais faire un tout petit topo de 2-3 minutes sur à peu près le contenu que réservait le mode vêtement, enfin le mode habillage. Et bah, étant donné que YouTube est gentil et que m'a fait un joli cadeau que de me dire qu'elle a été bloquée en France, enfin en fait dans 267 pays, et qu'elle a été bloquée, pas bloquée dans 30 pays, dont des pays comme les Zimbabwe ou ce genre de choses. J'ai rien contre les Zimbabwe et tout ça, mais bon, personnellement, je pense que le contenu est certain, étant donné que je parle en français, je sais même pas si quelle langue ils parlent là-bas, mais je pense que c'est peut-être plus utile de la faire pour la France, tous ceux qui parlent le français et tout ça, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, étant donné que YouTube est capricieux, alors je sais pas s'il a rompu avec sa petite copine ou genre de choses, mais bon. Dans tous les cas, je suis obligé de réenregistrer cette vidéo et vous devriez entendre ma voix barbante durant une bonne partie de cette vidéo, parce qu'il y aura plus de son, sinon. Sinon, j'avais mis de la bonne musique, hein, sincèrement. Franchement, ça pétait la musique que j'avais mis et tout ça. Mais là, non, vous pouvez vous en plaindre qu'à YouTube. Merci de votre compréhension. Alors, en plus, hier, on était à Journée de la Femme quand j'ai enregistré les paroles, donc je m'étais dit, je vais commencer par la femme, enfin, par les vêtements disponibles dans le mode femme et tout ça. Puis, vu qu'on est plus pour la Journée de la Femme, je vais quand même commencer par la femme, parce que je suis quelqu'un de galant. Alors, on va retrouver, donc là, je vais faire un rapide briefing du nombre de vêtements qu'il va y avoir, du nombre de coupes de cheveux, de ce genre de choses, enfin, contenu en fait. Et donc pour les femmes, on se retrouve avec 5 coupes de cheveux, donc voilà, 45 machins là pour te mettre sur le crâne, là pour mettre sur la tête, donc des chapeaux, des décors, des paniers, des pots de fleurs, 21 t-shirts, donc t-shirt comme un peu dans le même style que ceux pour les mecs, 6 pantalons. Donc ça va être rapide. 39 tenues, 12 chaussures, donc 12 paires de chaussures, 3 gants, donc 3 paires de gants dans la logique, hein, je pense que vous avez compris, 12 chaussures, 12 paires de chaussures, 3 gants, 6 bracelets, mais pas 6 paires de bracelets, 6 colliers, mais aussi 9 boucles d'oreilles, 9 paires de boucles d'oreilles. Yeah, vous avez compris, cool, c'est bien. Que j'ai oublié de citer sur ma petite fiche en papier à carreaux 21-29-7. Il y a aussi également 3 maillots de bain. Donc là, on peut voir un lapin. Donc, ouais, encore le lapin d'avant était mieux, mais là, non, ça le fait pas. Blablabla. Et également 3 maillots de bain. Donc comme je disais, on se retrouve avec un total donc de 145 objets pour la femme. Et je suis sûr que j'ai fait une erreur de calcul là-dedans. Alors, habite, compte. Dis-moi, parce que j'ai le temps de compter, j'ai encore 12 minutes pour vous faire chier, alors. Pardon. Je crois que je vais le censurer celui-là encore. Pin, c'est à combien de temps? 4 minutes 21. Bon, si vous entendez un bois, on va. Bah, excusez-moi. Wow, ça doit être ça. 49, 39, 54, 29, 21, 110, 112, 122, 128, 131, 137, 143.
On va dire que c'est ça, parce qu'il est même possible, j'ai même fait une erreur pour en mettre moins. Et bah maintenant on va passer aux hommes, dans la logique des choses, hein. Adulte homme, donc allez hop. Donc là, ah bah on est déjà passé aux femmes, alors bah comme quoi ça montre qu'il y a plus d'objets pour les femmes, étant donné qu'elles occupent un temps plus important dans la vidéo. Alors les hommes, on se retrouve avec 4 coupes de cheveux, donc c'est maigre, mais bon. 12 décors pour la tête. Alors je sais pas pourquoi j'appelle ça décor, mais en fait c'est juste que j'ai perdu complètement le mot. Et vu que je suis très très naze en français, enfin je parle français, vous voyez là, j'arrive à parler français, hein. Mais bah, je sais plus c'est quoi le truc. Enfin en fait, deux. Oh, des couvre-chefs, j'ai retrouvé le mot. 12 couvre-chefs. Et je suis content parce que je trouve que ça fait classe. Je trouve que ça fait classe. Une barbichette, 42 t-shirts, 15 pantalons, 10 tenues entières, 11 paires de chaussures, 3 paires de boucles d'oreilles et également 3 montres. Donc pour un total de 101 objets pour les mecs. Alors ça nous fait un total donc de 100, 246 objets. Dans les 246 objets, vous voyez que les variantes sont comptées, étant donné que là vous voyez les plusieurs couleurs des chapeaux. Par exemple, le chapeau de magicien, ce genre de choses. Donc, si on imagine qu'il y a à peu près 240 objets, dont 3 variantes par objet, ça nous fait un total de 80 objets nouveaux. Bon, ça reste acceptable, ça reste très potable. C'est enfin, c'est des. C'est des tenues, des couvre-chefs, et je l'utilisais souvent ce moment-là, maintenant. Enfin, c'est des trucs très acceptables, ils sont vraiment pas moches du tout. Très sympa, ça reste vraiment dans l'univers du spectacle, on va avoir des tenues style. Alors c'est... Alors je sais pas si c'est exactement comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a posté en commentaire sur la première vidéo du vidéo test que c'était bah, par exemple ça, le casque là que vous voyez, que c'était du Daft Punk. Donc c'était le robot qui me disait, donc le robot que vous avez, enfin que si vous avez vu la première vidéo, le robot spatial, le piou 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 pouf, qui était tiré de Daft Punk. Donc fais entièrement confiance, merci de me l'avoir précisé, et bah je pense que ça en fait partie aussi. Si tu regardes la seconde vidéo, je te remercie également en parole, en direct, comme ça tu vois, t'es directement visé. Alors ton pseudo c'était quoi? C'était Sweetest. Alors excuse-moi si je l'ai mal prononcé, je vais aller vérifier. Je vais vérifier pour éviter de faire une connerie, étant donné que j'en fais quand même beaucoup. Alors c'est Sweetest, voilà, j'étais pas loin. Ah, j'étais pas loin. Également. Qu'est-ce que je voulais préciser d'autre? Donc, ouais, c'est vraiment dans l'ambiance des décors qui sont disponibles sur scène, pour la scène. C'est pas vraiment dans l'ambiance des décors qu'on peut mettre chez nous. Parce que le canapé style grand-mère avec les trucs orange, non, style Ikea avec les trucs orange et les cercles affreux. Voilà, je pense pas que ça aille tellement avec l'univers Daft Punk, l'univers gâteau, donc avec l'éclair en chocolat en guise de canapé et le bretzel en guise de banc. Mais bon, ça c'est trop bien. On va parler un peu vite fait du contenu communautaire. Donc le contenu communautaire, c'est 20 nouveaux objets disponibles quand on construit un terrain communautaire. Et bah c'est tout. En fait, j'ai pas détaillé ça, mais j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que en fait j'ai oublié de rentrer dans les détails. J'espère que votre compréhension sera toute à frais normal. Je sais, j'ai rien à dire. En ce qui concerne la vidéo test à proprement parler, donc la vraie vidéo test, parce que là on va parler, enfin en fait c'est plutôt une vidéo pour montrer le contenu, donc un peu comme au lieu d'être un unboxing, donc un déballage, on va appeler ça un uncontent, un décontenu. Je sais, ça veut rien dire, c'est pour ça que c'est nul. Enfin voilà, c'est plus une vidéo pour montrer le contenu du jeu, pour vous montrer si c'est riche, si c'est pauvre, si c'est dégueu, si c'est sympa. Les autres choses, si c'est gentil, si c'est méchant. Si c'est... On va arrêter à cet endroit-là. Enfin,
On est relativement gâté. Donc, en ce qui concerne la vidéo à proprement parler, j'y reviens. Je n'ai pas pu tester, moi j'ai même pas encore pu tester sérieusement le jeu, faut être sincère, mais je n'ai pas réellement pu tester et je pourrais certainement pas tester le mode social. Du moins pour le moment, faut que je règle plein de petits problèmes. Alors, je vous explique. Je vous explique et écoutez bien. Je réexpliquerai pas une deuxième fois, faut pas déconner. En fait, l'email avec lequel j'ai enregistré le jeu, donc c'est-à-dire il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement quand est-ce que j'ai acheté Sims 3. Et ben en fait, je me souviens plus de mon mot de passe du compte pour me enregistrer sur les Sims 3. Bon, à la limite, si ça c'est pour le Sims 3 officiel, bon, pour me connecter. Si ça, si c'était que ça, bon bah voilà, vous voyez, ça serait normal, ça serait tranquille, pépère. Non. Le problème, c'est que je ne peux pas récupérer mon mot de passe, du moins j'ai pas réellement cherché à le récupérer. Sauf que, étant donné que l'adresse email qui était rentrée, bah entre-temps j'ai changé d'opérateur réseau, donc pour internet. Et bah mon email, forcément, étant donné que j'étais inscrit sur l'autre opérateur réseau, bah ils me l'ont dégagé, hein. Ils ont pas de pitié, c'est gentil monsieur, tout mignon, ces petites grenouilles à pois rouges. Donc, en ce qui concerne le mode social, ça va être un peu difficile. Je vous reporte à une vidéo test qui risque certainement d'être faite par un de nos confrères de YouTube, qui est en parfaite compétition pour récupérer le plus de vues et le plus de commentaires. Donc, en ce qui concerne ça, voilà. Je vous préviens tout de suite, comme ça vous ne serez pas forcément déçus sur le fait que j'explique pas spécialement le truc. Il va falloir que j'accélère mon cul parce que j'ai plus que 19 secondes. Donc voilà, donc reportez-vous à une autre vidéo test si vous voulez savoir pour le mode social. Sur ce, moi je vous souhaite à tous de passer une très très bonne fin de journée, en espérant que la vidéo soit pas parue trop tard. Et bonne soirée à tous et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux personnes qui ont posté tous les commentaires. Ciao, salut, bye bye, au revoir. Joli maillot de bain.